certain, comme une immense plante, un animal. Oh, partir, partir et filer plus loin. Un destin. Bye, bye, mais faut que je m'en aille. Adieu, tendres années, sales champs de bataille. Et sentir, ou sentir, et lâcher les chiens. Y'a trop de trains qui passent, ce train c'est le meilleur. Tant pour moi, et tant pour nous. J'aurais pu rester où, là où on tourne, où tout est doux. Moi j'avais pas le choix, ça connaît partout. Le monde est à ta porte et se joue des verrous. Rendez-vous dans un autre monde, ou dans une autre vie. Mais trop tard ou brouillard, ou bien trop tôt. C'était la bonne histoire, mais pas le bon tempo. Bye, 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 faut que je m'en aille. Faut que je m'en aille. Le croix sur ses lèvres et ma vie qui s'écaille. Et souffrir, tomber de haut. Et descendre, au fond sur le carreau. Ça connaît aussi. C'est le monde à ta porte, puis tu lui dis merci. Rendez-vous dans un autre monde, dans une autre vie. Dans une autre quand vie. Les nuits seront plus longues, seront plus longues que mes nuits. Que et mourir, oh mourir, et vivre dans vie. Rendez-vous quand j'aurai. Léa et Tiana. Et ça discute, ça débriefe déjà sur scène. Tiana me regarde, elle fait... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit glissement, un petit glissement. Mais l'amitié, c'est aussi la générosité de la scène. C'est-à-dire qu'à un moment, Léa, elle arrive et elle dit « Non, on est ensemble. Personne ne perd. On est ensemble, on est dans la même galère et on est dans la même lumière. » Vous êtes d'accord, les profs? Vous l'avez entendu, tous. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Il y a un blocage, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'émotion, je crois, le stress et tout. Je la connais, ça fait 3 jours, je la révise, je la connais par cœur. Ouais. Et là, je sais pas, j'ai stressé et... C'est à cause du metteur en scène du... Non, comment, pas du tout, il est parfait. C'est la vidéo. Le chef d'orchestre, pardon, excusez-moi. Non, t'es parfait. C'est une blague, évidemment, qu'il est parfait, mais c'était juste pour t'aider un peu. Vous lui tendez la main, naturellement? Ouais, c'est ma petite heure officielle, officiellement. Vous l'avez déclaré à la mairie? Ouais, je pense, c'est automatique. Ouais. Monsieur le directeur? Oui. Quelle est la question, Nikos? J'attendais une petite relance, mais si vous voulez une question, elle sera précise. Bah, je vous en supplie. Alors, ok. Laissez-moi me concentrer. Ça arrive tout le temps sur scène, ça. On peut se planter. Vous l'avez vu, Léa, cette semaine? Vous avez vu Tiana, vous avez vu Léa, vous l'avez vu l'évolution, vous l'avez remonté aussi cette semaine. Vous êtes dit des choses pour arriver à être prête ici sur scène. Oui, oui, et puis Léa, pour le coup, c'est elle qui a fait la grande sœur, là vraiment ça se voyait, et qui a accompagné Tiana et qui l'a vraiment aidée. Mais Léa, elle a ce truc-là, moi je trouve très humain, et c'est une fille intelligente en plus. Hein, donc elle sait très bien qu'on l'attendait au tournant, et je trouve que cette prestation était à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle. Ouais. Marlène, Lucie, merci monsieur le directeur. Vous les avez préparés. Vous craignez ce genre de moment, ce petit égarement? Le trou, ça arrive. Hein. On le craint pas, mais moi, personnellement, les filles, ça m'est arrivé à peu près 150 fois d'oublier mes paroles sur scène. Donc, on sourit et puis on dit... Voilà. C'est ce qu'on fait en général quand il y a un trou, on sourit. C'est on ça. Sourit. Magnifique. Merci beaucoup. C'est pas très grave tout cela. Ce qui compte, c'est le plaisir et de connaître et de reconnaître et d'avancer malgré tout. Fait deux fois quand même. Oui, deux fois. Ben, la troisième, ça sera mieux. Allez, on s'assoit. La place. Et je voudrais quand même dire que
Faut pas qu'on oublie qu'on a quatre garçons nominés, que deux repartiront au château et que pour les deux autres, ce sera la fin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez la Starac, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. À très vite.